fin du texte. Ce que je vous propose n'est qu'une possibilité, évidemment, hein, vous savez qu'il n'y a pas une bonne réponse, il y a des réponses qui sont justifiées ou qui ne le sont pas. Je me permets de ne pas relire le texte puisque vous l'avez déjà entendu trois fois normalement depuis ce matin. Premier mouvement que j'identifierai, c'est celui-ci, c'est-à-dire toute la première partie du texte, c'est un discours à Suzanne, ça commence comme un discours à Suzanne et c'est la colère et la souffrance de Figaro. Discours à Suzanne qui se transforme en réflexion, en mouvement réflexif, hein, qui n'est plus adressé. Après m'avoir obstinément refusé quand je la pressais devant sa maîtresse, là Figaro s'adresse à lui-même. Deuxième mouvement, en basant toujours sur le jeu des pronoms personnels, j'identifie un passage qui est un dialogue, un discours adressé au comte, un dialogue imaginaire avec le comte qui amène Figaro à remettre en question l'organisation sociale de la société nobiliaire. Et puis enfin, évidemment, le dernier mouvement, qui est un mouvement rétrospectif avec un personnage qui revient sur son passé. Je me livre donc à l'identification des différents faits remarquables que je peux trouver dans le premier mouvement. Alors, premier fait remarquable, c'est la didascalie initiale qui évoque l'obscurité, un ton sombre. Donc, on voit que le dramaturge a la volonté de faire correspondre l'état d'esprit de son personnage avec le décor sur la scène. On peut aussi voir que Figaro se promène et c'est donc un personnage en mouvement. L'indication n'a pas beaucoup d'intérêt si ce n'est que cela permet à la scène de rester dans une certaine vivacité alors qu'il s'agit finalement d'une scène assez statique dans laquelle seul un personnage s'exprime. Deuxième remarque qui s'impose, c'est le fait qu'on a un monologue dans cette comédie et un long monologue et donc qu'on rompt, que Beaumarchais rompe avec les codes de la comédie. Alors les monologues, ça existe beaucoup au théâtre. Les monologues douloureux et graves, ils sont légion au théâtre. C'est même un moment que les spectateurs attendent avec impatience parce que c'est un morceau de bravoure, une prouesse du comédien qui doit tenir une salle en haleine seulement par le pouvoir du mot. Mais ces monologues n'existent d'ordinaire que dans la tragédie, puisqu'ils mettent l'accent sur des émotions et des sentiments des personnages et que le principe du monologue, du héros tragique, pardon, c'est sa conscience de lutter en vain contre des forces qui le dépassent. Donc ici, Figaro emprunte finalement au héros tragique, à la fois dans la forme et puis on le verra à la fois dans son impression de lutter contre des formes, des forces qui le dépassent. Troisième remarque, on a un discours qui est adressé à la femme. Et cette femme, évidemment, derrière laquelle on peut reconnaître Suzanne. Donc le monologue, il a des allures de discours, de dialogue imaginaire ou imaginé. Pourquoi ? Ben sans doute parce que ça permet à Beaumarchais d'avoir une pièce qui est extrêmement vive, tout de même. Hein, ça assure un certain rythme à la scène. On peut remarquer quand même que la généralisation femme, c'est l'ensemble des éléments du groupe femme, ça ancre le discours de Figaro dans une réflexion qui dépasse le simple cadre de son histoire avec Suzanne. Donc Figaro se fait philosophe et il questionne l'instinct animal, le rapport entre l'homme et l'animal. Donc évidemment, là, on a un valet qui s'éloigne du valet traditionnel parce que le valet traditionnel n'est pas un philosophe, c'est plutôt un être de réaction à des situations particulières. Il n'empêche que même dans ce discours philosophique, vous pouvez remarquer les nombreuses exclamations, l'interrogation rhétorique, tout ça pour souligner bien évidemment la douleur, la colère du personnage. Autre chose remarquable dans ce passage, c'est la question du récit condensé de ce qui s'est passé auparavant. Après m'avoir obstinément refusé quand je l'impressais, à l'instant qu'elle me donne sa parole, au milieu de la cérémonie, on peut se poser la question de l'intérêt de ce récit. Le spectateur était là, le lecteur aussi, on a tous assisté aux scènes qui sont évoquées et il n'y a pas besoin de les récapituler. Donc, puisqu'il n'y a pas besoin de le faire, eh bien, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Beaumarchais fait ce choix? Alors, je vous propose plusieurs possibilités, et puis vous retenez celles qui vous intéressent, voire toutes, et vous les proposez. Tout d'abord, le fait que, en reprenant les différentes étapes et en les mettant bout à bout ainsi,
Beaumarchais permet une condensation, en quelque sorte. Il resserre le temps. Dans le temps, il y a un résumé des actions passées et ça permet une dramatisation qui met en valeur le sentiment de trahison de Beaumarchais, de Figaro, pardon. Et puis, deuxième possibilité, ce récit condensé de ce qui a précédé permet aussi de recentrer la question autour de l'histoire de Figaro et de Suzanne. Auparavant, on a une généralisation. Là, on revient à l'histoire précise des deux valets. Dernière chose que je remarque, c'est évidemment la douleur et la colère du valet. Vous remarquez notamment sur la fin, hein, l'opposition entre le mot benêt par lequel Figaro se définit. Le benêt, c'est celui qui est simple d'esprit. Et puis en face, on a un perfide, c'est-à-dire un homme qui trompe, donc qui est capable de ruse. Et ce contraste, vous remarquez qu'il est soutenu par un parallélisme de construction, hein. Il riait en lisant le perfide, et moi comme un benêt. Donc souligne évidemment la douleur de la jalousie, la colère aussi d'avoir été le dupe, le ridicule de la situation. Nous commençons donc l'analyse des faits remarquables du deuxième mouvement. Alors, tout d'abord, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il s'agit d'une adresse directe au comte. On a donc ici encore la volonté, sans doute pour Beaumarchais, de proposer un dialogue qui soit extrêmement vif. Et cette vivacité, il l'introduit par le fait que Figaro va s'adresser dans l'imaginaire au comte, et donc que nous allons avoir des phrases qui vont être des phrases plutôt de l'oral. Deuxième chose que vous pouvez remarquer, c'est que le mouvement s'ouvre sur l'opposition de Figaro au comte Almaviva. Non, monsieur le comte. Cet adverbe non, il va finalement symboliser métaphoriquement toute l'opposition qui est à la fois celle de Figaro et d'Almaviva, mais aussi l'opposition qui est plus révolutionnaire pour l'époque du valet face à son maître. Le valet n'a pas à se révolter contre son maître. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que Figaro appelle ici Almaviva « Monsieur le Comte ». J'en appelle à vos souvenirs, dans l'exposition de la pièce, Almaviva était désigné comme étant « Monseigneur ». On a donc un glissement ici, et vous voyez qu'il y a moins de respect de la différence sociale dans « Monsieur le Comte » que dans « Monseigneur ».« Monsieur le Comte » marque une certaine déférence, hein, c'est quand même un monsieur quelque chose, mais il n'empêche que c'est une espèce de mise à égalité du valet et du maître, puisque Figaro aussi est un monsieur. Alors certes, il n'est pas comte, mais en faisant ceci, Figaro finalement fait œuvre de pensée révolutionnaire. Très vite, on voit que le discours glisse vers une réflexion générale, donc je vous invite en particulier à vous pencher sur « parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie ». Ici, la cause identifiée par Figaro comme étant l'origine du conflit, finalement concerne indirectement la personne du comte, parce que cette subordonnée de cause indique que le problème vient du statut social du personnage. Donc le conflit quitte le terrain de l'interpersonnel et on s'engage dans une lutte des classes. La noblesse du comte, alors c'est une grande noblesse, hein, vous êtes un grand seigneur, est la raison de ses agissements. Et Figaro, et Beaumarchais donc derrière lui, oppose ici la naissance, le grand seigneur, c'est un hasard, et le génie. Vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Vous êtes un grand seigneur, mais vous n'êtes pas un grand génie. Ici, vous avez une idée qui est vraiment révolutionnaire. Ce serait l'idée que la qualité de l'être ne dépend pas de sa naissance. Alors, évidemment qu'aujourd'hui, ça nous paraît évident, la qualité de l'être va dépendre de l'être et pas de sa naissance, voire de ses conditions, des conditions dans lesquelles il va grandir, de ce qui va le construire, etc. Mais sûrement pas du hasard de sa naissance. Sauf qu'au XVIIIe siècle et avant, le principe même de la société nobiliaire, c'est que quand on est noble, naît N-A-I-T, noble, eh bien, on a de grandes valeurs. La naissance est une garantie de valeur. En mettant en doute
cette possibilité, alors ça veut dire que Figaro met en doute finalement le fondement même de la société nobiliaire. On y reviendra. Remarque suivante, si vous vous attachez au passage parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie, noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier, vous pouvez voir que vous avez ici une succession de vers blancs. Je vous ai indiqué le nombre de vers entre parenthèses, le nombre de syllabes entre parenthèses. Et cette succession, on en fait deux remarques. D'abord, elle donne de la force à ce passage polémique. Et ensuite, on remarque que Figaro, qui prétendument est un valet hein, de basse extraction sociale, compose des vers de façon très spontanée. Donc on a ici un valet qui se fait poète ou en tout cas grand orateur. Donc une scène qui continue ensuite à mettre à égalité le noble et le roturier. Vous pouvez remarquer que Figaro dit au comte qu'il est un homme assez ordinaire. Donc c'est bien que l'appartenance à la noblesse ne vaut pas pour qualité. Et donc finalement, ce que dit Figaro ici, c'est que l'édifice fragile sur lequel repose l'organisation sociale de la société nobiliaire, il ne tient pas. Si on peut être noble et de petite qualité, alors ça veut dire que noble ne veut rien dire. Donc, l'organisation de la société de l'Ancien Régime n'a pas de sens. Et si elle n'a pas de sens, alors ça veut dire qu'il faut la renverser. On est bien dans une idée très pré-révolutionnaire. Hein. Et je vous invite à ce titre à vous rappeler que dans la salle, quand la pièce est jouée, les gens qui sont dans la salle sont en grande majorité des nobles. Donc la démarche de Beaumarchais, elle est extrêmement téméraire. Ce d'autant plus que le mariage de Figaro, si l'on en croit la légende, est né de la demande du frère du roi, qui aurait demandé à Beaumarchais de faire une suite au barbier de Séville parce qu'il avait adoré Figaro. Donc ça veut dire que ce que dit Figaro, il le dit devant une salle, entièrement peut-être pas, mais en grande majorité remplie de gens auxquels il est en train de dire « Votre naissance ne vous donne pas qualité ». Dernière remarque, si Figaro met à égalité le noble et le roturier, si il termine comme il le fait par « et vous voulez jouter », qui est presque une déclaration d'intention, hein, on est presque dans la déclaration de combat à venir. Alors ça veut dire que Figaro imagine être effectivement l'égal d'un noble, ce qui peut être considéré pour un valet du XVIIIe comme un ego assez surdimensionné, une démesure, ce que l'on appelle l'hubris dans la tragédie. Et donc, ça ferait de notre valet un personnage, finalement, qui pourrait devenir un héros tragique pour peu que la pièce s'infléchisse un petit peu. Il suffirait que le comte le surprenne, que Figaro soit condamné à cela, pour cela, et on aurait donc, finalement, une pièce qui deviendrait une tragédie. Le troisième mouvement maintenant, donc première chose qu'on remarque, c'est que la première phrase contribue à ancrer le monologue dans le déroulé de l'intrigue. Figaro est en train d'attendre Suzanne qui doit venir rencontrer le comte, donc c'est une volonté pour Beaumarchais évidemment de maintenir l'attention du public, de ne pas faire un monologue qui soit trop décroché de l'intrigue principale. Vous remarquez également l'introduction du comique dans une scène qui est pourtant très grave et très sérieuse, avec l'idée de faire le sot métier de mari, quoique je ne le sois qu'à moitié. Donc il s'agit évidemment ici d'un jeu de mots, un jeu de mots grivois. Hein. Si Figaro n'est qu'à demi, à moitié l'époux de Suzanne, c'est avant tout parce que la nuit de noces n'a pas eu lieu. Donc c'est une petite touche comique. Il ne fait pas rire dans le cas qui nous intéresse, mais qui permet de montrer que on revient quand même à une certaine tradition du valet qui bon joueur, bon perdant, qui s'amuse. Vous remarquez évidemment que tout ce passage est avant tout caractérisé par une relecture que fait Figaro de sa destinée. Et là, le mot destinée doit évidemment vous alerter parce qu'on est dans le théâtre. Quand on parle de destinée dans le théâtre,
ça fait forcément référence au héros tragique. L'univers de la tragédie, c'est un univers dans lequel la destinée est un élément fondamental, puisque chaque être tragique obéit à un destin qui est tracé pour lui et auquel il ne peut pas se soustraire. Donc Figaro ici emprunte le terme tragique à la comédie et le, à la tragédie, pardon, et le valet de comédie se transforme petit à petit en valet, en personnage tragique. Deuxième chose que l'on peut remarquer dans cette relecture de sa destinée, c'est que le personnage, il a un passé. Il a un passé qui excède de loin la temporalité de la pièce, puisque on parle de l'enlèvement lorsqu'il était enfant. Donc, ce passage permet de construire le personnage de Figaro, mais pas de le construire comme un valet traditionnel de comédie, ni même comme un personnage traditionnel de théâtre. Il s'agit de le construire comme un roman, comme un personnage de roman qui a un passé, qui a vécu des aventures, etc. Et dernière chose, quand on lit la destinée de Figaro, abandonné, enfin volé par des bandits, élevé par des bandits, il s'en va, il fait des tas de choses, c'est évidemment l'image du Picaro qui se dessine, c'est-à-dire le héros de roman picaresque, dont je vous ai dit que c'était un roman espagnol qui met en scène un très jeune homme de très basse extraction sociale qui va vivre des aventures tout à fait rocambolesques. Dans les éléments que nous fournit Figaro sur son passé, on peut relever tout d'abord le fait qu'il y a une tension entre de nombreux effets réels, la chirurgie, la pharmacie, la lancette, donc toutes ces choses qui permettent de donner l'illusion de véracité, l'illusion de réalité au personnage, et puis en même temps des aventures complètement invraisemblables. Il y a quand même très peu de chances qu'un valet au 18e puisse apprendre la chimie, la pharmacie et la chirurgie. Il est quand même invraisemblable qu'il soit élevé par des bandits, qu'il finisse chirurgien et qu'il retrouve sa mère ensuite tout à fait par hasard au moment où il va l'épouser. Donc on a une tension qui nous permet de mettre en avant le fait que Beaumarchais, évidemment, ne veut pas faire de ce personnage un personnage réaliste. C'est un personnage symbolique. Il incarne quelque chose, Figaro. Autre remarque que l'on peut se faire, c'est que la naissance obscure de Figaro, elle nous renvoie au mythe de l'Antiquité, hein, et notamment, on l'avait déjà évoqué ensemble, le mythe de Œdipe. Enfin, le dégoût pour le mal, ça introduit l'idée que l'on retrouve à plusieurs reprises chez Beaumarchais d'une valeur naturelle de l'individu qui ne serait pas en lien avec la naissance, donc c'est une idée révolutionnaire, mais une idée qui serait en lien avec avec l'individu lui-même. Donc aujourd'hui, on ne croit plus que la valeur de l'individu est liée à sa naissance, on ne croit plus non plus que c'est lié uniquement à l'individu. On considère aujourd'hui que la valeur d'un individu, elle est finalement la somme de cet individu et de tout ce qu'il a créé. Vous n'aurez pas les mêmes valeurs, les mêmes qualités selon que vous êtes élevé à un endroit ou à un autre, d'une façon ou d'une autre, et selon ce que vous allez vivre dans votre existence. Dernière chose, la phrase qui termine ce mouvement, ça peut se lire comme un constat très politique, très social de la condition des petits dans cette Europe du 18e. Les petits n'ont pas le droit à l'évolution sociale. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, de toute façon, ils sont renvoyés à leurs conditions de petits. Donc tout ça va plutôt dans le sens d'un personnage qui défend des idées révolutionnaires. La problématique donc, si je reprends les différents éléments de cette explication de texte, je me rends compte qu'il y a deux éléments majeurs finalement dans cette exposition. Tout d'abord, une pièce qui est héritière de la comédie traditionnelle, avec une exposition qui remplit bien son rôle d'exposition, pardon, avec ce qu'on a vu de la présence du valet qui est au service de son maître, etc., mais qui la renouvelle en même temps, puisqu'on a des nobles, etc. Bon, voilà, je vous renvoie à tout ce qu'on a dit précédemment. Et le deuxième élément majeur, c'est que
C'est une pièce qui préfigure peut-être un peu quand même la Révolution française. On voit qu'on navigue toujours entre les deux. C'était un peu l'objet de notre première séance de télé-enseignement. Une pièce qui va être révolutionnaire au niveau, parce qu'elle porte des idées révolutionnaires, certes, mais surtout parce qu'elle renouvelle la comédie classique. Donc, je vous invite à arrêter la vidéo pour ceux qui se sont dit que la problématique qu'ils avaient trouvée n'était pas dans le sens de ce que on voit quand on défriche un petit peu mieux le texte, un petit peu plus le texte. Je vous invite à arrêter la vidéo, à vous poser la question de la problématique que vous proposeriez, à relancer la vidéo ensuite. Quant à moi, je continue et vous allez voir que je progresse de jour en jour dans la maîtrise.